Il y eut d'abord les paillettes d'un siècle nouveau, le faste des expositions universelles, la course du progrès, la succession des dimanches calmes et sereins, la démarche chaloupée des apaches et les hanches des dactylos en goguette dans les guinguettes des bords de Seine, de Marne ou de Loire. Les excursions en montagne dans les villes d'eau, le temps d'un dimanche ensoleillé, la vogue des bains de mer, le temps toujours et encore des robes longues, des épingles à chapeau, des voilettes et des ombrelles qui protégeaient du soleil, les premières fièvres du métropolitain, la magie des tramways, odeur de rail et d'électricité. Il eut les formes de l'art nouveau, la mode des femmes tiges aux courbes végétales qui commençaient à se délier et à se libérer de leurs corsets. Les parisiennes portaient le chapeau large et le pied menu. Les hommes fumaient les premières gauloises. Il eut bien sûr des émeutes et des grèves, des électriciens, des fonctionnaires, des terrassiers, des postiers, des détenus de Clairvaux, des mineurs, des vignerons, des garçons de café, des chauffeurs de taxi. Les hommes voulaient construire et modeler leur destinée. Ils voulaient partager mieux les richesses du monde. Il y eut le Montmartre des peintres et du bateau lavoir, les premiers meetings aériens, les inondations de Paris, le passage à la comète de Halley, l'apparition des premiers tangos, le premier music hall, l'inauguration du Veldiv et du Gaumont Palace, le vol de la Joconde, la fin de la bande à Bono, la publication de la guerre des boutons, la rencontre d'Yvonne de Kièvrecourt et d'Alain Fournier sous les arbres du Cours-la-Reine, l'édition du Grand Maulne qui manqua de si peu le prix Goncourt, l'apparition des premières cabines téléphoniques, l'électrification du chemin de fer, les premières cartes Michelin, la mode des casquettes et des canotiers, l'invention de l'espéranto. C'était la paix. La promesse d'une aube nouvelle. L'insouciance de l'été. La quiétude des champs de blé parsemés de bleuets et de coquelicots qui attendaient la faux du moissonneur ou le couteau de la batteuse. Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Beaucoup portaient le cheveu court et la moustache. Beaucoup avaient les mains et la nuque parcheminées du laboureur, les doigts usés de l'ouvrier, les ongles cassés du tourneur et du mécanicien. Il y avait des palefreniers, des arpenteurs, des boulangers, des maîtres d'hôtel, des garçons de bureau, des clercs de notaire, des charcutiers, des instituteurs, des colporteurs, des rédacteurs, des vachers, des portefaix, des bergers, des prêtres, des rémouleurs, des cuisiniers, des taillandiers, des commis, des chauffeurs, des valets de pied, des étameurs, des livreurs, des chaudronniers, des crieurs de journaux, des garçons coiffeurs, des cheminots, des garçons de café, des facteurs, des intellectuels, des ouvriers, des bourgeois, des aristocrates et des bourreliers. Il y eut soudainement des civils, des militaires de carrière, des conscrits, des réservistes, des artilleurs, des marins, des fantassins, des zouaves, des aviateurs, des sapeurs, des brancardiers, des agents de liaison, des télégraphistes, des sous-officiers, des sous-mariniers, des infirmiers, des cuistots, des adjudants, des généraux, des sous-lieutenants, des aumôniers, des cantiniers, des cavaliers, des bleus, des rappelés, des permissionnaires. Il y eut soudainement des poilus. Leur écriture était ronde ou pointue. Elle avait la finesse de la plume ou le trait gras du crayon à encre. Ils s'appelaient Gaston, Jean, Auguste, Marcel, Louis, Alexandre, Edmond, Martin, Antoine, Étienne, Maurice, Albert, Henri, Roger, René. Leur femme ou leur mère s'appelait Félicie, Léontine, Hortense, Louise, Honorine, Clémence, Marguerite, Berthe, Germaine, Yvonne, Marthe. Ils avaient le plus souvent entre 17 et 25 ans, mais ils pouvaient en avoir 30 ou 40. Autant de voyageurs sans bagages qui durent quitter leur famille, leurs fiancés, leurs femmes, leurs enfants. Laisser là le bureau, l'établi, le tour, le pétrin, la boutique ou l'étable. Revêtir l'uniforme mal coupé, le pantalon rouge, le képi cabossé. Endosser le barda trop lourd et chausser les godillots cloutés. Très vite, ils comprirent que cette guerre n'avait pas de sens. De faux espoirs en faux espoirs, de dernière bataille en dernière bataille, ils finirent par ne plus pouvoir prévoir la fin de la guerre dont ils étaient les acteurs, et dont l'utilité vint à ne plus leur paraître évidente. Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Leurs noms sont gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes et de nos bourgs. Et quand l'église s'est tue, quand l'école est fermée, quand la gare est close, quand le silence règne dans ces bourgs qui sont devenus des hameaux, il reste ces listes de mots, ces listes de noms et de prénoms, qui rappellent le souvenir d'une France dont les campagnes étaient si peuplées. Plus de 4 millions d'hommes ne survécurent qu'après avoir subi de graves blessures, le corps cassé, coupé, marqué, mordu, la chair abîmée quand ils n'étaient pas gravement mutilés. Les autres s'en sortirent en apparence indemnes. Il leur restait le souvenir de l'horreur vécue pendant plus de 50 mois, la mémoire du sang, de l'odeur des cadavres pourrissants, de l'éclatement des obus, de la boue fétide, de la vermine, la mémoire du rectus obscène de la mort. Il leur restait la griffe systématique et récurrente du cauchemar pour le restant de leur jour, et avec elle le cri angoissé, parce que sans réponse l'appel de leur mère.
Il leur restait la force des mots qui évoquaient des images dont ils n'oublieraient jamais l'horreur. Gallipoli, Verdun, le chemin des Dames, Arlon-Virton, le moulin de la Faux, la Somme, Ypres, Péronne, Montmirail, Douaumont, le fort de Vaux. Ces mots, écrits dans la boue, n'ont pas 80 ou 85 ans. Ils n'ont pas vieilli d'un jour. Ils ont la force d'une vie d'autant plus intense qu'elle tutoyait l'abîme, qu'elle dévisageait la mort à longueur de seconde. Entre 1914 et 1919, la propagande gouvernementale fut tellement intense qu'elle fit perdre tout crédit à une presse écrite trop servile et trop prompte à relayer le bourrage de crâne. La France fut le seul pays incriminé dans le conflit dans lequel il était strictement interdit de publier les pertes. Cette chape du silence et du mensonge porta longtemps ses fruits après la Première Guerre mondiale. Nos livres d'histoire ont trop longtemps minoré les pertes de l'une des plus grandes boucheries de l'histoire qui fit dans le monde plus de 10 millions de morts et près de 20 millions de blessés. Ils ont trop longtemps passé sous silence le véritable état d'esprit de ces poilus qui pour la plupart ne faisaient aucune illusion sur le fondement réel du conflit, mais qui n'en accomplirent pas moins leur devoir avec un courage surhumain. Ils ont trop longtemps passé sous silence l'incompétence criminelle de certains officiers supérieurs qui n'ont pourtant pas laissé une trace négative dans la mémoire collective. Comment rassembler ces témoignages issus de lettres et de journaux, de guerres écrites à la hâte dans le feu de l'action? Seul le cycle des saisons permettait un regroupement thématique, parce que les poilus vivaient au rythme de la chaleur et du froid, du soleil et de la pluie, de la brume et du vent, du jour et de la nuit, comme ils vivaient au rythme des balles et des obus, au rythme des charges à la baïonnette, au rythme de la mort, de la souffrance et de l'agonie. Parce que les poilus vivaient en fin de compte au rythme des saisons de leur âme, premier été, saison du départ et du baptême du feu, automne, saison ensanglantée, saison de la mort et du pourrissement, printemps, saison à contre-pied, saison du cafard et de la nostalgie, été, saison des amours à distance, saison des aveux que l'on n'avait jamais osé exprimer, dernier automne, saison des ultimes boucheries, saison de la paix qui se déchaîne aussi brutalement que la guerre avait pu enflammer les moissons de 14. Cette vidéo me tenait particulièrement à cœur, car mon arrière-grand-père maternel y a participé. Vous pouvez voir sa photo avec le 3e groupe du 250e régiment d'artillerie en 1915. Il est celui désigné par une flèche. Vous pouvez le voir ici avec sa croix de guerre, que nous avons encore, et maintenant, à l'écran, sa citation à l'ordre de l'armée délivrée le 31 janvier 1919. J'espère que cette vidéo vous plaira malgré le côté un petit peu solennel de la chose. Voilà, bonne vidéo! Richard Hoffmann était artilleur dans l'armée allemande. Il avait 31 ans en 1914. Strasbourg-Neudorf, le 22 septembre 1914. Ma chère mère, ma chère sœur, après avoir traîné pendant quelques semaines à Strasbourg et aux alentours à faire des exercices de tir, des marches forcées, des revues sans fin, nous avons soudain reçu le 26 ou le 27 août l'ordre du départ. En une demi-heure, tout le monde était en ordre de marche. Pour où ? Personne n'en savait rien. On nous a chargés, ou bien nous sommes montés nous-mêmes, corps, biens et chevaux, sur un train, et nous voilà partis dans la nuit sombre. Au petit matin, nous sommes descendus dans une gare proche de la frontière allemande. Le long du chemin, traces de combat, champs piétinés. Dans ce chaos désertique, toutes sortes de matériel de combat, des hommes enterrant les derniers morts, et dans l'air, cette odeur pénétrante du champ de bataille. Nous avons fouillé quelques sacs, dans chacun d'eux il y avait des lettres et des cartes, en français et en allemand, adressées aux êtres chers de l'arrière. Elle se terminait par l'espoir de les revoir sains et saufs. Tout ça a jeté un grand froid. Ceux qui les avaient écrites étaient morts. Puis nous avons repris notre marche sans fin, interminable, jusqu'à la tombée de la nuit, car il nous fallait encore prendre part au combat. Pour la première fois, nous n'avons pas pris nos repas à heure régulière. Et nous n'avons eu que du pain de soldat et du café. En fin d'après-midi, nous avons passé la frontière française sans le savoir. Nous avons pris nos quartiers dans le village français de Perret, ou quelque chose de ce genre. Bien entendu, l'endroit avait déjà été visité depuis longtemps par nos troupes. Mais malgré tout, chacun serrait sa carabine un peu plus fort. Comme tous les villages de France que j'ai traversés, c'était un village crasseux, des tas de fumier et de vieilles ordures le long de la rue, devant les portes des maisons massives aux fenêtres étroites et aux pièces sombres et sales. Partout, des réparations de fortune, des bâtiments faits de briques et de brocs. Et ne parlons pas des Françaises, semblables à des gitanes pour ce qui est de l'habillement et de la propreté, et à des juives pour ce qui est des traits du visage. Nous, 10 hommes, avons pris nos aises dans une pièce d'une hauteur de 1,80 m. Nous nous sommes répartis la literie de l'unique lit et nous avons remplacé les matelas manquants par de la paille. Je m'en suis contenté, car tout le reste ne m'inspirait guère confiance. C'est aussi pour cette raison que je porte à nouveau les cheveux très courts. Avec l'aide d'un camarade, parlant parfaitement le français,
Nous avons obtenu de nos hôtesses qu'elles nous fassent du café et qu'elles nous apportent du lait. Dîner nocturne à base de café au lait et de pain de soldat sec, tout est parti si vite que nous n'avons rien pu mettre de côté pour l'emporter. Puis nous nous sommes entretenus avec elles de la guerre. C'était tout de même intéressant de savoir ce que la population française pensait de la guerre. Les femmes la souhaitaient aussi peu que nous. Leurs maris étaient aussi au front et servaient dans les unités qui nous faisaient face. Quelle ironie du sort. Demain peut-être, leurs obus faucheront leurs femmes. C'est ça la guerre. Chère mère, je te dis encore pour te rassurer que je ne me suis jamais porté aussi bien que depuis que je suis soldat et que notre courage n'a jamais faibli. Nous sommes tous animés d'une foi inébranlable en l'heureuse issue de notre juste cause. Ici, pas de découragement ni d'abattement. Pense au vieux dicton des chevaliers qui caractérise si bien l'ambiance qui règne ici. Parce qu'il est le seul à pouvoir regarder la mort dans les yeux, seul le soldat est un homme libre. Et maintenant, je vous embrasse bien fort, toi et Gretchen. Votre Richard. Après 6 mois de guerre, Étienne Tanty dresse un bilan d'une guerre dont les Français étaient bien les seuls à avoir pu penser qu'elle serait courte. Dès 1914, les Anglais avaient prévu que la guerre serait coûteuse en hommes et en moyens et qu'elle durerait au moins 3 ans. Jeudi, 28 janvier 1915. Gère, toujours aussi incapable d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23 et j'ai mis une enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts de gelée. Mais le bonhomme ne vaut guère mieux et le cafard est pire que la gelée. Car n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous vous en doutez et je désespère de le chasser. Il y a de quoi et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera. La perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du Bois Carré et de reprendre la vie souterraine nocturne et marécageuse n'étant pas pour le dissiper. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois. Une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois et il n'y a encore rien de fait, aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort et que l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous ne sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie dont le premier acte commencera au printemps. Alors les canons seront prêts et dans l'arène lamentable des tranchées, la boucherie néronienne reprendra plus sanglante que jamais. Et pareil aux esclaves antiques, on ne nous tirera de nos cachots que pour nous jeter en pâture aux monstres d'acier. Et ce sera au retour du printemps, au renouveau de la terre. Et pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps à tant de milliers de malheureux, après les avoir privés de la vie pendant des mois? Hier ou avant-hier au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi? Je n'en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous. Ils sont comme nous et le malheur est pareil pour tous. Il y a des gens qui cependant aiment la boucherie. Et l'autre jour, Le Matin publiait avec force, détail et éloge les exploits des Baddaf dans une tranchée boche. C'est écœurant. Après tout, d'un journal défenseur des financiers véreux et des garces de la politique, il est tout naturel de prôner des souteneurs et des brutes. Mais quand on songe que ça trouve des lecteurs ailleurs que dans des milieux d'amateurs de guillotine, que peut-on espérer? Nous retombons à la brute. Je le sens chez les autres, je le sens chez moi. Je deviens indifférent, sans goût. J'erre, je tourne. Je ne sais ce que je fais. Et quand un souffle passager vient secouer les cendres et rallumer la braise, alors je suis si écœuré de tout ce qui m'entoure que j'en suis encore plus malheureux. Je vous embrasse, Étienne. Christian Bordertsching, lieutenant dans l'armée allemande, était le fils d'horticulteur allemand domicilié à Brême. Il était étudiant en architecture et écrivait très souvent à sa sœur Anna, celle de ses 3 sœurs avec laquelle il avait le plus d'atomes crochus. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917, il avait 24 ans. Le 24-25 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut point. C'était l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce jour, car honteusement, l'on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Les gourmandises que je préfère sont tout d'abord les biscuits et les cakes, puis ensuite le chocolat, le massepain, le miel, les oranges et les bonbons acidulés. Aujourd'hui, je te joins à ma lettre 4 Marx. J'ai envoyé à la maison des photos, vas-y pour les voir. Falbush se porte bien, ainsi que les autres bonhommes. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne, 2 fois de la soupe au pois à la couenne de lard, 2 fois du bouillon de riz sucré, 1 fois des haricots verts et 1 fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf.
On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste essuyée à l'aide de papier. Tous les 8 jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les 10 jours, je change de chaussettes et je reçois ma solde de 5,30 marks. Je dors toujours habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfouis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent rien du tout. Nous nous asseyons par terre sur la paille. Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse, on y est habitué. On rince, on boit et l'on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur a l'air d'une caisse de charbon et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les 2 jours. Tu devrais voir nos latrines, elles sont à mourir de rire. Un simple tronc de bouleau où l'on est aligné derrière contre derrière et qui offre du chemin principal une belle vue. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Si tu veux en savoir davantage, tu n'as qu'à me demander des détails. Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. Assieds-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. À présent, je vais cesser mon bavardage et je vais bien récupérer car je suis exempt de service de nuit. Demain, vers 11h30, il y aura encore de gentilles nouvelles de toi. En grande amitié, à sa fidèle sœur qui prend soin de lui, Christian. Amitié à Hans et Glowski, dit Clochette. Émile Sautour était originaire de Juillac, en Corrèze. Il appartenait au 131e régiment d'infanterie et il a été tué sur le front le 10 octobre 1916. 31 mars 1916. Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne me reste pas un moment de libre. Nuit et jour, il faut être au travail ou au créneau. De repos, jamais. Le temps de manger aux heures de la soupe et le repos terminé, il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur 24 heures, je dors 3 heures, et encore, elles ne se suivent pas toujours. Au lieu d'être 3 heures consécutives, il arrive souvent qu'elles sont coupées de sorte que je dors 1 heure, puis une deuxième fois 2 heures. Tous mes camarades éprouvent les mêmes souffrances. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu'il faut rester 6 heures debout au créneau avant d'être relevé. Il n'y a pas assez d'hommes, mais ceux des dépôts peuvent être appelés et venir remplacer les évacués ou les disparus. Un renfort de 20 hommes par bataillon arrive, 30 sont évacués. Il n'y a pas de discipline militaire, c'est le bagne, c'est l'esclavage. Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Jeunes, ils veulent un grade toujours de plus en plus élevé. Il faut qu'ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d'organiser défensivement un secteur. Qui pèse cela le soldat? La plupart n'ont aucune initiative. Ils commandent sans se rendre compte des difficultés de la tâche ou de la corvée à remplir. En ce moment, nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Je ne veux pas m'étendre trop sur des faits que vous ne voudriez pas croire, tout en étant bien véridique. Mais je vous dirais que c'est honteux de mener des hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes. Moindre faute, moindre défaillance, faute contre la discipline, 8 jours de prison, par le commandant de la compagnie, porté par le colonel. Le soldat l'est fait. Au repos, il est exempt de vin et de viande. Nous sommes mal nourris, seul le pain est bon. Sans colis, que deviendrions-nous? La nuit que j'ai regagné le secteur actuel, nos officiers nous ont perdus. Nous avons marché 3 heures sous bois pour gagner le point de départ. La pluie et la neige tombaient. Il a fallu regagner le temps perdu et par la route, nous avons monté en ligne. Mais le danger est grand pour faire passer un bataillon sur une route si bien repérée. Nous avons été marmités, mais pas de pertes. Nous avons parcouru 14 kilomètres en 2 pauses. En ce moment, c'est beaucoup trop pour des hommes vannés et par un temps abominable. J'ai voulu vous montrer que ceux qui vous diront que le soldat n'est pas malheureux au front, qu'un tel a de la chance d'être valide encore, mériterait qu'on ne les fréquente plus. Qu'ils viennent donc entendre seulement le canon au-dessus de leur tête, je suis persuadé qu'ils regagnent leur chez-soi au plus vite. Nos misères empirent chaque jour, je les vaincrai jusqu'au bout. À bientôt la victoire, à bientôt le baiser du retour. Émile. René Pijard avait 20 ans en 1914. Il était né dans l'Yonne et son père était contremaître et travaillait pour les eaux de la ville de Paris. Imprimeur dans la vie civile, René fut blessé à Verdun, puis nommé caporal. Fait prisonnier en 1917, il mourut électrocuté en essayant de s'évader de son camp de prisonniers le 17 octobre 1917. Le 27 août 1916. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver nous-mêmes après s'être vu si peu de choses à la merci d'un morceau de métal.
Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Être des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête. Pouvoir s'étendre tout son long sur de la paille même. Avoir de l'eau propre à boire après s'être vu, comme des fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus à nous disputer un quart d'eau croupie, vaseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y ait pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui restent. Comprends-tu tout ce bonheur, d'un coup c'est trop. J'ai été une journée complètement abrutie. Naturellement, toute relève se fait de nuit. Alors comprends aussi cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois, où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui ait encore trois branches, et le matin suivant, après 2 ou 3 heures de repos tout enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève, voir enfin quelque chose qui crée, au lieu de voir quelque chose qui détruit. Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de 1 km, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus. Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y eut là une construction, qu'il y eut des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici, rien que des obus, rien que cela. Puis des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère? Non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache, on ignore la vérité, trop brutale. Et dire qu'il y a 20 siècles que Jésus-Christ prêchait sur la bonté des hommes, qu'il y a des gens qui implorent la bonté divine, mais qu'ils se rendent compte de sa puissance et qu'ils la comparent à la puissance d'un 380 Bosch ou d'un 270 français. Pauvres que nous sommes, priez pour nous. Nous tenons cependant, c'est admirable, et ce qui dépasse l'imagination, c'est que les Bosch attaquent encore. Il faut avouer que jamais on n'aura vu une pareille obstination dans le sacrifice inutile. Quand par hasard ils gagnent un bout de terrain, ils savent ce que ça leur coûte et encore ne le conservent-ils pas souvent. J'espère aller bientôt vous revoir et on boira encore un bon coup de pinard à la santé de ton poilu qui t'embrasse bien fort. René Pijard. Alfred Cornelsen, soldat de l'armée allemande, a été tué sur le front français en juillet 1918. Il venait d'avoir 18 ans. France, le 2 mai 1918. Chère mère, j'espère que vous vous portez toujours tous bien aussi bien que moi. J'étais de garde la nuit dernière de 11h à 1h et je me repaissais du sentiment qu'à partir de minuit, ce serait ton anniversaire. Chère mère, comme tout paraît différent ici quand on se dit « Maintenant, c'est l'anniversaire de ma mère », ça rend alors tout tellement différent. Souhaitons maintenant, chère mère, que nous serons de nouveau tous réunis à la maison pour ton prochain anniversaire. Je ne peux pas compter sur une permission, car les permissions sont pour le moment encore supprimées. Les seuls à pouvoir rentrer sont ceux qui possèdent une terre. Dans ces conditions, je ne serai toujours pas rentré pour Noël. Jeudi saint, nous avons donné l'assaut à des positions de soutien sur la Somme. Vendredi saint, les Anglais ont riposté, mais nous sommes parvenus à les repousser. Puis vinrent les jours de Pâques, une période que de toute ma vie je n'oublierai jamais. Au moment où je t'écris, nous sommes loin de tout danger, mais nous le devons à nos lourdes pertes. Nous aurons sans doute encore quelques jours de repos avant que ça reprenne à nouveau. Espérons que la guerre finisse bientôt, car sinon la France sera complètement détruite. Je ne ramènerai pas de souvenirs de la guerre, j'en ai tellement par-dessus la tête. Bien sûr, pour le moment, ça va encore bien, même si les rhumatismes se font sentir à force de se terrer dans la boue. J'ai reçu du courrier de Fritz, pendant qu'il était chez vous. Comme je peux le constater, vous allez encore bien. Espérons que c'est maintenant la dernière offensive et que nous allons bientôt pouvoir rentrer chez nous. Il n'y a pas grand-chose à manger, et pour le moment, je crève à nouveau de faim. En espérant vous revoir bientôt, votre fils et votre frère, Alfred. Et le lundi 11 novembre 1918, jour de gloire, de farandole, d'embrassade, on compterait. Clémenceau exige que le ministre de la guerre lui communique le dernier état des pertes. Et le 11 novembre, ce ne peut être encore qu'une approximation. 1 322 000 Français tués ou disparus, et au moins 4 270 000 blessés graves. Les Allemands auraient perdu 1 800 000 hommes, les Russes près de 2 millions, et l'Empire austro-hongrois 1 400 000. En France, pas un village, pas un quartier des villes de la République où l'on ne croise femmes, enfants, vieux hommes en deuil, brassards funèbres au bras, voiles noires cachant les visages ravagés des épouses, des sœurs, des mères, et l'on ne remarque même plus les mutilés tant ils sont nombreux. C'est au final une terrible victoire.
1 322 000 tués et 4 270 000 blessés, et la moitié d'entre eux blessés deux fois, sans oublier les 70 000 tués venus d'Afrique du Nord et des milliers d'autres d'Afrique noire. Cet océan de sang, de deuil et de souffrance recouvre la nation, mutile le pays. 833 polytechniciens sont morts au combat, sur 346 élèves ou anciens élèves de l'école normale supérieure mobilisée, 143 ont été tués. Plus de la moitié des instituteurs mobilisés sont tombés, et il y a des centaines de milliers d'enfants qui n'ont pu naître parce que ceux qui seraient devenus leurs jeunes pères gisent dans les grands ossuaires qui peuplent de croix blanches les lieux où ils se sont battus. Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux ciblots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien. Nous autres, les pauvres puretins, tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.